En réalité, on constate que dans toutes les sociétés du monde, les femmes ont malheureusement plus ou moins été victimes d'inégalités. En effet, le patriarcat, la domination masculine, etc. En 2021, le droit et les revendications des femmes restent encore d'actualité. Que dit l'islam par rapport à cela? Dans l'anthropologie de l'islam, il n'y a absolument pas des supériorités de la gent masculine à la gent féminine, mais il y a plutôt l'égalité homme-femme dans le droit. Cependant, chez beaucoup de musulmans, les traditions et les coutumes prennent les dessus au détriment de ce que prône l'islam, l'égalité de droit et la justice sociale.